Comme je passe là, si l'une des deux sorcières là me taquine seulement, elles ne vont pas me reconnaître. J'attends. L'apprenti Bordel est rentré de sa bordelerie. Ou alors c'est toi la directrice. Tu m'as appelé comment? Bordel, ça s'est bien passé là où tu étais. Je demande, le chromosome c'est pas le même à qui? Regarde-moi quelqu'un. Toi, si on te demande la définition de chromosome, tu sais que tu peux donner ça. Toi définis. Tu sors d'où? Je n'ai aucun compte à te rendre. Oh que si, madame, tu vis chez nous. Donc avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord nous informer. Parce que si quelque chose t'arrive là-bas dehors, c'est d'abord chez nous qu'on va commencer à interroger les gens. Donc, tu sors d'où? Tu poses même la question à qui? À toi, bien sûr. Il y a qui d'autre ici, ce n'est pas toi. Vous êtes toujours là, notre maison, c'est la maison de votre frère. C'est la maison de votre frère. Dans sa vie où? Ce n'est pas chez notre frère. Mais elle passe pas son temps à dire, c'est là que c'est sa maison. Elle est venue avec une maison ici quand elle venait ici. Parce qu'elle est en mariage. Écoute-moi. Parce que je vois que non, tu te sens déjà un peu con. Depuis que tu es venue ici là, tu penses que c'est la maison de tes parents ici. Tu sors quand tu veux, tu entres quand tu veux, tu fais comme tu veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc avant de faire quoi que ce soit, c'est là, dorénavant, tu dois d'abord m'informer ou informer ma soeur. On ne marche pas, ce n'est pas la cour du roi Péto. On ne sort pas comme on veut, ce n'est pas une église, madame. Le jour où tu connaîtras le prix d'un parpaing ou quand tu couleras une dalle, tu me donneras des interdits. Pour le moment, chut. Oui, c'est comme j'ai dit. Tu as dit, toi qui, Patricia, dis-moi un peu, toi qui, pour venir dire ce que tu dois faire à la maison-ci. Hein, je suis en train de te dire quelque chose, tu fais comme si tu ne comprenais pas. Tu viens me parler comme si tu étais en France ici, là. Tu penses que tu es en France ici? Redescends sur terre, s'il te plaît. Moi, je t'ai posé une question. Tu sors d'où? Je veux savoir, parce que comme toi, je suis que tu es là. Comme tu sors avec les hommes, raison pour laquelle tu sors comme tu veux. Tu m'as d'abord dérangé toute la nuit, en cause je n'ai pas bien dormi. Donc je peux me venger là où tu me vois là. Tu sors d'où? Je sors avec ton gars. C'est à moi que tu poses la question là? Oui. Ok. Repose donc alors et comprends. Je sors avec ton gars. Quand toi-même tu te regardes d'abord, mon gars peut t'accepter. Regarde-toi, tu suis d'abord laide, affreuse, hideuse, tu sens même d'abord mauvais. Tu laves même, tu ne sais pas comment on se lave. Je ne sais même pas d'où tu sors, ou c'est chez quel gars que tu sors. Il a eu le courage de te regarder en face comme ça là. Tu es un monstre. Si tu as fini, tu me dis je pars parce que je n'ai rien à faire avec les inutiles comme toi. Inutile qui? C'est moi que tu crées d'inutile. Oui. Tu ne bouges pas parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu sors d'où? Parce que ta soeur te donne un peu plus de liberté à la maison, c'est là. Tu là, tu fais les bêtises, tu fais les conneries, mais on te regarde seulement, on ne fait rien. Moi, je vais te regresser, tu comprends, non? Comme tu as tordu, je vais te regresser à la maison aussi. Tu n'es pas la bienvenue ici et tu vas bientôt partir. C'est parce que je te laisse encore un peu de temps. Attends. Si c'était ton frère qui parlait, ça allait me faire mal. Mais comme c'est toi, je m'en fiche. Donc tu doutes? Oui. Tu doutes de moi? Je doute. Toi, tu doutes ne de moi? Ne me touche plus. Sinon quoi? Voilà ça, Patricia. Sinon quoi? Non, sinon quoi? Parce que vous aimez entendre la bouche. J'ai remarqué dans votre famille, là, vous bavardez un peu cruel. Raison pour laquelle vous avez tous la longue bouche. Oui. Raison pour laquelle tout vous a échappé. La taille, la beauté, tout, ça vous a échappé. Parce que vous êtes d'abord, donc vous bavardez en direct qui n'est même pas bien. Tu oublies que tu bavardes toujours trop. La force, tu n'as pas. C'est à moi que tu dis ça? Oui, c'est à toi que je dis ça. Tu sais quoi? Parce que ça, je ne sais pas pourquoi quand je te regarde, je te jure devant Dieu, je pense à tout ce que j'ai vécu dans la vie ici. Donc si c'est que je te touche, je risque encore d'ajouter les péchés dans ma vie. Mais je ne demande pas, je peux te tuer comme ça, comme les blagues. Tue. Non, je ne veux pas me salir les mains à cause mais de toi. Mais tue, normalement, vas-y, tue. Je ne veux pas te tuer, pardon, recule là-bas. Et ne me touche pas. Sinon quoi? Tu oublies ce que je te fais souvent. Mais... Tu me fais quoi? Chaque fois que tu la tues, non, c'est là-bas. Ne me pousse plus, elle. C'est pas parce que je te laisse. Ne me pousse plus. Quand tu le jour de me fâcher de ça, tu vas comprendre, mon papa. C'est pas ça que je te dis, après, ne me touche plus. Ne me touche plus.
Je ne veux pas bagarrer avec toi aujourd'hui là. Je ne suis pas du mal bagarrer avec toi. Mais je t'ai dit, ne me touche plus. Tu sens même d'abord mauvais. Donc si tu me touches là, moi aussi je vais commencer à sentir comme toi. Raison pour laquelle je ne veux pas me mélanger avec toi. Ma chérie, j'accepte. Je sens mauvais, j'accepte. Regarde quelqu'un. Heureusement que je ne vais pas prendre mon bain parce que la lèvre que tu viens de déposer sur moi là. Pardon, va prendre. Va prendre ça. Une petite bolette comme ça là. À ton jeune âge, tu sors de la maison en cachette. En cachette. Oui, c'est ce qu'on va vous apprendre non, avec votre soeur. C'est ce qu'on vous apprend. Comme elle-même, elle est sortie. Elle est sortie comme ça. Tu sors comme elle. Attendez. Attendez, non. Vous allez partir d'ici là. Vous allez partir. Ou c'est moi, ce n'est pas moi. Peut-être parce que je vous laisse encore un peu clos. Attendez quand ma soeur va venir, on va se venger ensemble. Donc quelle histoire ça. Chaque jour, Patricia, chaque jour, Cristal, chaque jour, c'est quoi? On ne peut pas respirer. Avant, vous, on vivait. On vivait. Dans la maison aussi qu'on ne manque pas le respect à Suzy. T'en prendre le respect. Vous ne voulez pas rentrer chez vous là. Regardez ceci, c'est pour le lendemain. Tant que tu es encore ici là, même s'il faut que j'achète même le piment de 10 000 pour toi, Patricia, je vais le faire. Je ne vais jamais me décourager. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est pour vous. C'est pour venir vous brûler. Je n'ai même pas obligé de couper la pâte. Mayouaba, tu vas te laver aujourd'hui là. C'est toi qui sais, non? Si ma soeur vous laisse, moi je ne suis pas là-dedans. Je vais t'enseigner le respect vis-à-vis de Suzy. Toujours en train de calculer leur cycle. Parce que ça veut dire que tu vas rentrer chez ton père en rampant comme le serpent. Tu ne rentres pas à quatre pattes. C'est que ce n'est pas moi. Et là, tu vas me sortir par la fenêtre. Moi je n'aime pas. Tu là tu fais les choses en solo, tu ne veux rien me dire. Tu dis que tu vas faire quoi avec le piment aussi. Ouais, reste d'abord, reste quand que tu vas voir. Tu es comme le perroquet, j'entends. Laisse d'abord voir. J'ai entendu comme si tu te chamaillais avec la sorcière là. Elle est à rentrer. Oui, les dieux là venaient d'entrer, elle dit qu'elle passe la vie. Elle était où? Je sais. Elle dit que Patricia sort déjà. On voit la fille là concernant, non, Patricia fait les choses. Patricia couche avec les hommes, monte, on descend. Elle sort d'où? Attends un peu. J'ai vu un seau d'eau placé devant la porte de la douche là. C'est toi qui vas se laver. Non, ce n'est pas mon seau. Tu ne connais pas le seau. C'est le jour que la folle a monté. C'est là qu'elle a parlé de ça, sa soeur. C'est le seau de Patricia que sa soeur va acheter pour elle. Parce que moi, je regarde encore les choses. Je t'ai dit que je les regarde comme ça, mais je ne les vois pas. Je viens de dire qu'elle m'a dit c'est là qu'elle partait se laver. Parce que c'est quoi? C'est qu'elle et moi, on venait d'abord de faire là. J'espère que tu as donné les coups de poing. Et si je peux rater celle-là? Le dédit que le tout, celle-là, non, je ne blague plus. Voilà. Tiens, moi, l'os. Le tout, si je ne blague plus. J'avais oublié. Heureusement que ça sent bon. On m'a enlevé les mauvaises odeurs de mine. Cette sorcière blanche. C'est comme si je ne pouvais plus.
Elle est partie. Tu concoles d'abord. Là, tu passes la terre, tu concoles parce que ça sert souvent comme la petite souris là. Mon photo là. Hey, grande sœur, tu ne m'as même pas dit ce que j'ai parti faire avec le piment là-bas. J'ai mis ça dans son nom. Ne me dis pas. Tu blagues avec moi. Ta blague là, ça fait 10. Ma chérie. Hey, Seigneur Jésus, je brise le manque sang là-bas dedans. Elle confirme. J'ai mal à la tête. C'est quoi ces cris? Patricia! Mon frère! C'est quoi? Le piment! Attends, le piment fait quoi? Le piment! Attends, mais tu es là-bas, mais sors ici, non? C'est quoi? Le piment comment? Attends, c'est blanc en plus. Patricia. Je dis Blanche, Suzy. Venez. Attends, c'est comment ça fait comment? Venez, je vous appelle. Moi, elle m'a la tête. Elle veut même pas aller sur la mer. Je vous ai dit de venir. Attends, le piment, c'est quoi? Ça s'est passé comment? Attends, tu n'as pas ouvert la douche? J'ai ouvert la douche dans l'eau. Attends, je n'arrive pas à comprendre. Dites-moi, il y a eu quoi? Elle dit qu'elle se plaint là du piment et tout. Tu t'es pas, je demande, tu n'as pas ouvert la colonne de douche? Tu te lavais comment? Il y a le piment dans mon eau, mon frère. Je n'arrive pas à comprendre. Quelle eau? Tu as utilisé le comment? Quelle eau? Il y a la douche, tu ne t'es pas douché. Moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus besoin de laver les yeux à la maison, c'est grand frère. Tu peux te lever? Lève-toi un peu. Tu dis qu'il y a eu quoi? Tu te lèves. Dis-moi un peu, je veux savoir c'est quoi, mais explique-moi. Mon frère, je suis sorti avec mon sous-doux, j'ai posé la lèvre, mon jet de douche, je partais me laver, mais dedans, je reste le sous moi, ça avec les tata la porte. Oui, Suzy, reste un peu tranquille, il faut essayer de comprendre. Ouais, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête, et puis elle a mal au corps, c'est quoi le truc? Mais mon frère, elle a quoi? Elle a quoi? Attendez un peu, je veux savoir honnêtement, est-ce que parmi vous, quelqu'un a eu à manipuler le piment dans cette maison? Non, pas moi, pardon, mais tu ne m'as même pas encore passé là avec la cuisine. Hein? Et le piment sort d'où? Tu as manipulé le piment avec le sang. Patricia, tu as fait la toilette. Tu as fait la toilette avec l'eau là. Parce que tu as fait la toilette avec l'eau là, Dieu merci. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien. Ça va laver son intérieur. Ouais, je suis en train de vous poser une question. Est-ce que toi tu as écrasé le piment? Le piment, ouais. Quelqu'un a utilisé le piment dans le sol là? Il n'y a plus le matin, personne n'est en train de la cuisine. Ma soeur n'était même pas là. Il était mal à Patricia. Attends, mais. Elle est arrivée, elle n'a pas trouvé ma soeur. Je vais constater quelque chose là. Je mange le piment. Hé, grand frère. Fais-moi ça. Blanche, fais-toi. Blanche. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Qui Blanche? Elle prononce même mon nom. Ça sent du piment. Hein? Et il semble être tout frais. Patricia ne peut pas être bête. Elle n'est pas quand même une imbécile pour dire que non, son eau avait du piment alors qu'il n'y en avait pas.
quelque part, si ça se trouve, hein, ça voudrait dire que ça, c'est un coup posé soit par Blanche, soit par Suzy. C'est quoi ça, la fin? Comment les gens peuvent être aussi machiavéliques? C'est quoi ça? C'est normal, ça? C'est normal? On est où, là? Vous prenez du piment, vous mettez dans l'eau de bain, c'est pourquoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ça, c'est du piment. C'est du piment. Hein? Et je suis sûr que tout ce qu'elles sont en train de dire, là, comme quoi, elles ne peuvent pas faire un truc pareil, tout sont... Elles ont dit ici que non, le piment n'a pas été écrasé dans cette maison. Voilà ça. En tous les cas, je vais pas laisser ça comme ça. Même vous allez m'expliquer ce qu'il en est de ces deux choses. Fais-moi ça. Blanche, fais-toi. Blanche, Blanche. Tu me laisses tranquille. Qui Blanche? Elle prononce même mon nom. Il faut en arrêter, c'est. Vous avez vu ce que vous avez fait là? Vous allez voir dans la maison, c'est attendu. Blanche. Ouais, Fabrice, arrête de pleurer, ça arrête lui, de attendez. Pleurer, ça va aller. Tu peux sentir ce poteau? Ça sent quoi? Lui, non. Ça sent quoi? Lui. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Vous avez dit que personne n'est entré dans cette cuisine. Mais c'est toujours elle! C'est qui nous c'est pas toujours elle. Sa soeur, avant de partir au marché, elle était là-bas la cuisine. D'abord qu'elle nous a interdit la cuisine, la cuisine est tombée. Va t'habiller. Elle va s'habiller. Va t'habiller, on va en pharmacie. Va t'habiller. Grand frère, attends la porte. Vas-y, vas-y, va t'habiller. Non, par là. Vas-y, tout droit. À ta gauche. Va. Tu es venu pour après s'aimer. Grand frère, regarde. Patricia était passée à la maison. Elle venait d'arriver. Peut-être qu'elle est passée toucher le piment là où elle était. Parce qu'elle avait vous avez dit que personne n'a a utilisé le piment. Eh bien, on reçoit encore les clés de cette cuisine dans la maison. Oui, je suis passée. On nous a interdit de habille-toi, on va à la pharmacie. Moi-même, je parle à la pharmacie. Tu dis de l'eau, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Tu dis de l'eau. Dieu est au ciel. Si jamais c'est vous qui avez eu à poser cet acte ici, il vous rendra selon ce que vous avez eu à faire. Et si jamais c'est pas vous, ça ne se fera pas. J'ai dit que c'est vous. J'ai dit que Patrice, elle était passée à la maison, elle venait d'arriver. Qu'elle dise là où elle était, c'est là-bas qu'elle est partie prendre son piment là. Elle ne vient pas accuser les gens ici. Aussi vrai que je suis votre aîné, je réitère. Si vous dites la vérité, Dieu va vous bénir. Mais si jamais vous dites le mensonge, non. La malédiction que vous venez de pousser. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as été propre pour ça pour une inconnue. Va. Franchement, il faut avoir honte de toi-même. Avec quelqu'un, la pluie va crier par une joie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te fâcher comme ça si on me tend de faire quelque chose. C'est comme ça que tu es. Patricia, c'est fini. Tu me rejoins au salon. Elle t'a dit de me toucher, de me frapper la peinture. Toi, non, quand tu es là-bas, là. Quand la pas parce que tu sors ici, dans un vendredi, tu parles avec elle à la pharmacie. Ah, Patricia, dépêche-toi. Le piment est dans la pharmacie. Nous, ça pas à la pharmacie, là. On va monter la galère aujourd'hui. Didi, tu penses que c'est seulement la famille de ta femme qui doit manger ton argent? Si tu as lavé là-bas, c'est bon. Au cas concret. Patricia! Beau frère. Dépêche-toi pas. Beau frère. Tu nous perds le temps. Allez, Vic. Allons. Laisse-moi. Sauvage. Mon frère, tu vois, non? Aïe. Viens, on s'en va. On s'en va. Attends, et qui s'en va? Tu t'en vas où? Je m'en vais où, comment? Tu sais quoi? Je ne veux pas me fâcher contre toi. Suzy, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Suzy, tu vas retourner ta soeur là-bas. Pourquoi? Tu vas retourner ta soeur là-bas. Laisse-moi. Eke. Blanche. Parle à ta soeur, hein. Tu me suis? Rends t'asseoir. Hey. Retourne t'asseoir. Pourquoi tu veux te mélanger avec les fous? Ça, hein? C'est quoi? Aide-moi. T'asseoir là. Aide-moi. Assieds-toi là-bas. Allons-y. Allons. Prends ton habit. Maman. Allons. C'est comme si j'ai maigri. Tu vois comment il m'a porté. Il m'a balancé. Il m'a fait foum comme le papier. Qui te dit que robe a changé? Robe est déjà possédée. La femme s'est mis robe dans la bouteille. Vous ne voulez pas me comprendre. Tu as vu comment la chèvre était habillée? Elle a même porté la bille à l'envers. Toi aussi, tu n'as pas raté. Tu as bien fait de mettre le piment là. Non, moi, la partie là, moi, j'aime ça m'intéresse. Robe! Robe! Me pousse comme le papier. Je me retrouve au sol.
douce. Regardons seulement avec les yeux. Je ne regarde rien avec mes yeux. Rien. Que grand frère est fini. Rome ne ressemble plus à rien. Quand donc tu regardes Rome, il ressemble encore à un homme. Comme il est fini là, non. J'achève une fois. Je ne suis pas là pour tâtonner. Je suis pas hypocrite. Ma oué une fois. C'est comme ça. Il m'en va acheter le carburant tout à l'heure. Il brûle la maison aussi. Avec tous ses habitants. En tout cas, moi j'ai déjà fini de faire mes travaux. Je suis fatiguée. Il va aller me reposer. Donc, après, les choses qui se passent ici à la maison, non. Un jour, on va venir porter les corps des gens ici là pour rien. Tu es toujours en train de fuir. Il dit qu'ils vont vous fumer ici là comme les bungas. On va venir vous couver comme ça. Attendez. Si je. Attendez. Je vais vous fumer. Tout à l'heure, vous blaguez avec moi. S'il rentre là, il ne me demande pas pardon. Ma mamie, ou elle me se appelle. Les coiffeuses vont même manquer de respect aux gens jusqu'à quand? Parce que toi et moi, nous sommes amis que je vais venir dans ton salon. Je te paye. Je prends mon argent, je te donne. Que tu envoies les apprentis sur moi. Que vous restez finis sa tête. Sans pour avoir. La tête de qui? Moi, Cristal. Tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas que la folie avait commencé chez moi. Tu as dit que tu revenais dans une heure. Dans une heure, je reviens. Qui est? Fille pour me coiffer, je fais comme si je mendiais, comme si je suppliais. Vraiment, n'importe quoi. Vous confondez souvent les pédales parce que les gens sympathisent un peu. On dit que non, on se lie un peu des liens. Vous faites comme si. Pour peu qu'on se lie d'amitié avec vous, le manque de respect s'installe. Maintenant, je suis là comme une jeune folle. Les gens de cette maison sont. Patricia! Aïe, ça m'a même fait mal, tête. Non, tout ça, mais. Donc, 25 mains sur ma tête pour que les fesses aient 25 formes. L'autre pique là-bas, l'autre pique là-bas, l'autre petit ici, l'autre petit ici. C'est la poupée. Je suis le jouet. Patricia! Tu suces la canne quand tu me vois, n'est-ce pas? Ça, c'est le comportement d'une femme, n'est-ce pas, que tu affiches. Après, tu vas te plaindre. Si tes belles-sœurs sont au courant de ce que tu fais là, ça va finir comment? C'est normal, ce comportement-là. Toi et moi, on est assis dehors, on est en train de parler, je me lève, je vais à l'intérieur. Tout de suite après, je reviens, tu n'es plus derrière. Hein? Oui, Roman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis juste allée là-bas en route chez mon ami coiffeuse, là pour me coiffer. Je suis allée dans son salon. Est-ce que je suis partie? Ok, donc pour aller au salon de coiffure, il faudrait que tu partes comme tu es partie, c'est ça? Sans toutefois m'avertir que non, je voudrais aller me faire coiffer. Tu ne me le dis pas. Hein? Je dérange, c'est ça non? Tu dois en faire un problème, tu ne veux pas me coiffer. Est-ce que j'ai fait une sortie hors du quartier? Si c'est moi qui étais avec toi et après je me retrouve seulement dehors comme ça, ça allait te plaire? Il n'arrive pas souvent ici que tu partes en route. Ah, ok. Donc comme je fais donc, tu dois faire. C'est ça, c'est une façon de justifier. Tu peux aller en route? Non, c'est une façon de justifier ta bêtise. Ça ne sert à rien de dire je vais en route. N'est-ce pas? Si quelque chose t'arrive ici, dis-moi un peu, tu es sous la responsabilité de qui? Est-ce que je suis sortie du quartier? Vous sortez d'où? Nous sortons d'où maintenant? Tu veux savoir? Je vois pas que ça a le plastique de nos mains. C'est quoi le problème? C'est aussi comme ça que tu vas arriver dans cette maison et trouver tout le monde peut-être mort. Et tu vas juste nous prendre pour aller enterrer. Laisse aussi comme ça, ça va non? Ça va non? Laisse aussi ça. C'est ça, on fait quoi? Il faut arrêter de me parler de cette façon-là, ok?
Tu ne m'as pas forcé à te prendre et d'amener en pharmacie. C'est ça, on fait quoi? Tu comprends ça? C'est quoi ça? C'est ça, on met le piment dans mon seau d'eau grasse. Tu les as vus ou bien tu soupçonnes? On dit, je soupçonne que, ses soeurs aient eu à mettre du piment dans, mon eau. Qui d'autre peut faire ça? Nous sommes sérieux, je n'étais pas là. C'est toi, tu étais là. Attends. Tes soeurs étaient là. Écoute, je dis toujours, moi je suis impartial dans toutes choses. Je dis, moi-même, je soupçonne que ce soit elle. Mais maintenant, est-ce qu'il est défini que ce soit mes soeurs qui aient eu à faire cela? Oh, est-ce que tu les as vues? Tu les as vues en train de mettre le piment dans ton tu eau? Tu m'as dit qu'on a copié la photo, l'image de tes soeurs. Je suis en train de dire, elle voulait se laver. Elle, apparemment, elle a eu à placer son seau d'eau devant la porte de la douche. Et après, quand elle se retrouve dans la douche en train de se laver, bien évidemment, elle commence à se plaindre que l'eau est pimentée. Et quand j'ai demandé à Suzy... Non, tu as fait de raconter ça calmement. Tes soeurs étaient placées. Écoute, bien évidemment. Attends, tu les as vues. Jusqu'à que tu me sors. Assise là au salon. Et quand moi, je demande donc à Suzy et à Blanche ce qu'il s'est passé, elles disent qu'elles ne sont donc, elles ne sont en rien concernées par cela. Je suis allé néanmoins à la cuisine vérifier, puisque Blanche disait que on n'a même pas eu à écraser le piment dans cette maison ici aujourd'hui. Moi, je vais donc dans la cuisine et bien évidemment, je retrouve du piment qui a été écrasé sur la pierre. Peut-être que c'est toi. Moi, je n'ai pas écrasé le piment. Ça vous a dit que c'est toi. Le reste, ça ne me concerne pas. Est-ce que tu vois jusqu'à quel niveau la méchanceté de tes soeurs est en train de partir? Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu mesures la gravité des choses? Sont devenues très malicieuses et perfides. Sincèrement, ce que je voulais te dire, tes soeurs sont exagérément malicieuses. Tu veux que je fasse quoi? Donc comme ça, quelqu'un va finir par mourir ici pour tes soeurs ou à cause de tes soeurs. Tes soeurs sont même quoi? C'est quelle race d'humain qu'il n'y avait pas sur la terre ici et qu'on veut trop retenir, qu'on ne peut pas s'en débarrasser? Je ne comprends vraiment plus rien. Rob, je ne sais pas. Rob, comme je ne commence, ma famille, comme vous ne pouvez pas me tuer, elles sont encore en train de chercher comment est-ce qu'elles vont me tuer. Il faut qu'elles finissent avec les miens. Rob, là, papa, là c'est fort. Je ne peux plus et je n'en veux plus. Comme c'est comme ça, à la guerre comme à la guerre. Ça veut dire quoi? Je vais fermer la douche commune. Je ferme ma cuisine. Même la chambre là, je vais fermer. Elles n'entreront là-bas qu'en ma présence. Et ta soeur dormira où? Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Elles vont entrer, j'ouvre la porte, elles entrent. Dès qu'elles vont dormir, j'ouvre la porte, elles se couchent, elles dorment. Le matin, j'ouvre, elles sortent. Je referme. Attends chérie, est-ce que tu ne trouves pas que là, tu vas provoquer plutôt des abeilles? Tu ne trouves pas ça? Que tu vas aller secouer une ruche? Mais qui sont les abeilles? Mais je parle de tes belles-sœurs. Quand tu vas aller faire ça, dis-moi. Comment sont les abeilles? Je suis la reine des abeilles. Je dis, tu es venu les combattre dans cette maison. Ouais, je suis venu ici en paix. Je suis venu avec de bonnes intentions. Tes sœurs m'ont mal accueilli. Elles ont commencé ce qu'elles ont commencé là. Je voulais te dire quelque chose. Sachez qu'on n'achète pas le mauvais comportement à la boutique. On ne le cultive pas. On décide d'être mauvais. Et moi, je prends la ferme résolution de rejoindre tes soeurs. Oui, nous, tous, de devenir mauvaise. Oui, nous allons adopter le mauvais côté. Ok, tu t'entends parler. Quand tu défends fermement tes soeurs, je ne les défends pas. Tu voudrais d'abord que quelqu'un meure. Je n'ai pas dit cela. Je me suis levé, je suis allé en pharmacie tout de suite acheter ces pommades et autres médicaments pour elle. Mais je suis en train de dire quelque chose ici. Tu vas nous parce qu'on va te rembourser. Je t'ai dit quelque chose. C'est toi qui tout le temps... Toi qui tout le temps dis, tu te vantes du titre de chrétienne. Tu dis combien de fois la parole de Dieu dit si la parole de Dieu dit ça. Mais la même parole demande de pardonner à ceux qui nous font du mal. Tu es chrétienne, ne te limite pas à ce qu'elles te font. Le mal que je fais à tes soeurs, à exemple que je ferme les portes de ma maison. Mais tu dis tu deviendras aussi mauvaise qu'elle. Tu n'appartiens pas au mauvais. Papa, le silence ne fera toujours pas tout pour vous. Apprenez à dire aux gens mouf quand il faut dire mouf. Oui, il faut dire mouf quand il faut dire mouf. Et ta question ne veut pas... Attends, mais sans rancune. Non, et alors, où est la rancune? Je ferme la porte, où est la rancune? Tu es en train de garder des choses en toi et tout. Tu m'as vu garder quoi? Tu m'as vu perdre du poids. Écoute, madame, Je suis là, je maigris. Écoute-moi bien. Je fane. Je dis donc ceci. Tu es la femme de leur grand frère. Je ne sais même pas, peut-être elles sont dans la chambre là-bas et je ne voudrais pas qu'elles suivent des conversations par elle. Qui? Tu es la femme de leur grand frère. Et autant,
autant je suis prêt à ramasser leurs excréments parce que je suis l'aîné, autant tu te dois de m'accompagner dans cela. Je tu dois ramasser les excréments de ceux qui vont me reconnaître et qui vont m'accepter. Fais comme si c'était Agathe et Patricia. Quand elles vont me reconnaître et m'accepter, je vais considérer Blanche et Suzy comme Agathe et Patricia. Est-ce que tu es venu ici pour elles? Ce sont tes excréments. Justement parce que je ne suis pas venu pour elles, elles doivent me pourrir la vie. Mais moi-même, je suis d'accord qu'elle ne doit pas te pourrir la vie, mais c'est ton milieu. Non, et tu n'es pas d'accord, alors. Non. Tu accompagnes cela. Je suis désolé. Tu si... accompagnes les œuvres de tes soeurs. Je dis une chose. Tu es très malin. Je... Pardon. Tu es malin et hypocrite. Écoute, pardon. Moi, je suis hypocrite. Oui, à mon endroit. Ne me fais pas revenir sur ce que tu as fait avant de venir t'asseoir là. Reviens. Tu suis. Reviens. Sinon, je vais prendre la lame et te tailler tout ce que où? Tu as sur la tête là comme je veux. Tu m'as dit où? Tu m'as dit ça. Et tu vas arrêter de me crier dessus. J'ai crié. Mais c'est pas ça. Elle arrête de me crier dessus. Sinon. Je suis pas ton égal, hein. Tu montes sur moi. Ne me fais pas rugir devant toi. Quand tu montes sur moi, tu deviens automatiquement mon égal. C'est quoi ça? Je te vois nu. Tu n'es pas mon supérieur. À la fin, je commence à voir là comme si toi-même tu caches de mauvais comportements en toi qui sont en train de se dévoiler. J'ai tellement dit qu'on n'achète pas ça à la boutique. On décide d'être ça. Une femme qui décide d'aller en mariage, tu viens, tu es apôtre de la paix. Tu es prêtresse de la paix, de la tranquillité. Quel que soit ce qui arrive dans la maison, tu essaies de raisonner et de résoudre les problèmes. À compter d'aujourd'hui, non. Appelle-moi apôtre du mal. C'est ce que tu dis. Oui. Moi, je ne flirte donc pas avec le mal. Moi, c'est le bien. Et pas le mal. Ok, tes soeurs les apôtres, calmez-vous, non. Tes soeurs sont bonnes, non. Je vois comment tu t'es débarrassé du mal. C'est ta soeur, il faut parler à ta soeur. C'est quoi ça? Tu t'es débarrassé du mal. Comment tu trouves ça normal? Je ne suis pas d'accord. Comment est-ce que j'ai réagi ici quand tu as vu ça? J'étais d'accord avec mes soeurs. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord. C'est quoi le souci? Est-ce que tu as une femme pour te chamailler avec ta bouche? Parce que la bouche que Dieu a mise là, c'est pour quoi? C'est pour faire quoi? C'est pas pour parler? Tu bavardes comme une femme. Ferme la bouche. Tu me donnes pas de conseils. Tire bien les veines de ton cou. Tu n'as encore rien vu. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire la vérité à ta soeur. Là comme une personne pour pourquoi tu lui demandes pas de se taire? Face à l'homme, une femme tombe devant l'homme. On dirait que tu as habité par un mauvais esprit. Donc tu l'encourages à être méprisante à mon endroit. C'est à moi que tu demandes de me taire. Dis-tu, ne dis pas de se taire. C'est le mépris. C'est quoi ça? On te dit ce qu'on va faire à tes soeurs sur le mépris. Tu veux faire ça? Est-ce que tu es venu ici les combattre? Elles doivent aussi partir. Donc si tu veux plus que je elles doivent partir, je suis d'accord. Mais maintenant, prendre des résolutions aussi drastiques, aussi draconiennes. Ça voudrait dire quoi? Ce que tu racontes là, c'est ta part. J'ai déjà pris ma décision. Franchement. Là, tu commences à me faire réfléchir. Hein. Oui. Honnêtement, je n'aime pas ce côté de toi. Réfléchir. Je n'aime pas. Si tu veux, je te donne les sujets sur lesquels tu vas réfléchir. On est où là? Tu me prends comme quoi? Un bachibouzo? Oui. C'est quoi ça? Moi, je suis dedans. Tu respectes ce que la pharmacienne t'a dit. On verra. Espérons juste qu'il n'y aura pas de bobo sur ta peau. Et toi, j'espère que tu es là. Jusqu'à mettre le pigment. Et attends, ta tête là, tu es allé te coiffer. Voilà que tu allais te coiffer. On n'a pas fini de te tresser. L'argent est fini en route. Pardon? L'argent est fini en route. Ok, dis-moi donc que l'argent est fini en route. Reste assise là. Moi, je t'ai dit. Je ne veux pas de ces choses-là dans cette maison. Hé! Rob, c'est Cristal la mauvaise aujourd'hui. Cristal est que... Je vais. Dis-moi un peu, tu fais comment pour supporter tout ça? Ça va finir, oh. Ça va finir. Un jour, tout cela prendra fin. Ça va finir. J'en ai marre. Même quelle histoire, ça. Pardon. En tout cas, moi, je dois aller. Tout le monde me fait malader. Mon coupé, même mon sommet. Comme si ça fait un temps. Ma fille, c'est là. Elle croit qu'elle va dormir, elle mange, elle va travailler. Tant que je reviens, demain on va courir. Je ne vais pas sauf comme un coiffé. À propos du mal, je suis désormais.